Notre rendement était pas bon du tout. Je veux dire, on a réussi un point pas mérité, je veux dire. On était très très mauvais aujourd'hui. Pour moi, je suis content parce qu'on est très mauvais. Quand on a arraché un match, je sais que le match est difficile même. Je sais qu'AS Kigali a des problèmes et tout cela. Je sais que les clubs, AS Kigali toujours reste un grand club. Ils peuvent riposter même aux problèmes qu'ils ont. Mais nous, les petits joueurs, leur rendement n'est pas constant. Parce que le dernier match qu'on a joué, ils ont un excellent rendement. On n'a pas gagné, mais j'étais content. Aujourd'hui même, on a pris un point. Le rendement était médiocre, je ne sais pas. Le milieu terrain absent, la défense, les jeux. On n'est pas à jour. Ça, pour nous, un point, c'est un grand exploit avec ce rendement-là. Est-ce que vous pensez que les têtes n'étaient pas sur le terrain? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui? J'ai pas compris. Les têtes des joueurs, est-ce qu'ils étaient pas sur le terrain? Non, je vous cache pas, regardez. Tu vois même le championnat de Rwanda cette saison. Les clubs, ça va gagner ici, par l'autre match, elle va perdre. Le rendement, c'est pas constant. Hier, j'ai vu le match de la PR et Kyovo. Le niveau n'est pas excellent. Mais cette championnat, cette saison, je vous le dis, elle est un peu bizarre. Il y a même, je ne sais pas maintenant, les clubs qui vont jouer sur le podium et les clubs qui vont descendre, tout le monde, je vous jure, tous les clubs sont pareils. Il n'y a pas de grands clubs. Tous sont au même niveau. Même. De ce que tu dis, il y a un problème de constance. Les joueurs ne jouent pas au même niveau chaque jour, chaque semaine. Regardez, ça reste c'est la formation des joueurs. Le problème ici, les joueurs, je peux le dire, moi, avec les petits, parfois, un joueur vieux qui a 30 ans, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Ils ont raté les étapes. Il a passé universitaire, sont passés par le primaire, secondaire, c'est comme ça. Si le joueur n'est pas basé, n'a pas pris les abcs de football, tu vois, par exemple, tu vois, il y a des joueurs qui ne peuvent pas même dans le passé, ne peuvent pas faire un contrôle, ne fait les ABC de football. Mais il y a des choses qui sont tolérables de le faire dans le football. Mais dans le football, si tu ne fais pas un bon contrôle, tu ne donnes pas un passe, tu ne peux pas jouer. La plupart des clubs, c'est comme moi. Parfois, je dis, oh, ce joueur, il est bon. Demain, tu le trouves autre. Parce qu'il n'est pas basé, il n'est pas structuré. Pour cela, j'espère que cette saison, il commençait U19. J'ai préféré qu'il commence avec U13 ou U11 parce que U19, c'est. Mais on doit partir en bas pour progresser, pour faire pré-formation et formation pour les joueurs. Comme ça, je peux dire, les joueurs, ils ont brûlé beaucoup d'étapes. Beaucoup, beaucoup. Un joueur qui joue dans l'équipe senior n'a pas joué aucun match dans les U17. Non, maintenant, ils jouent I7, I8, I9, 10, comme ça, pour s'améliorer. Mais c'est ça, leur niveau, tu ne peux pas. Parce que pour nous, Mokora, on travaille. Je sais que tous les clubs, mais en fin de compte, il y a des joueurs qui ont brûlé les étapes et ne peuvent pas s'améliorer. C'est trop tard pour eux. Un commentaire sur le joueur des joueurs, c'est Christian, la titularisation, la deuxième titularisation, et l'autre Eri. Regardez, pour Christian, c'est un joker pour l'équipe. Heureusement, lorsqu'on a besoin de lui au milieu arrière droit, axial, non, il est un bon joueur. Ça. Et pour Eri, je dis, il va être une surprise pour le football rwandais. Attendez un peu ce joueur, je le vois dans l'entraînement, il a beaucoup de potentiel, je vous dire, il est bien. Mais même lui, il va s'améliorer parce qu'il est petit. Mais il va être une surprise pour le football rwandais, Inch'Allah. Retour sur le match, est-ce que tu penses que pour le but que vous prenez, est-ce que le gardien a fait une erreur ou c'est une erreur de la défense? S'il n'y a pas erreur, il n'y a pas de but. On a fait erreur tout le monde, même moi j'y suis avec eux. Lorsque l'erreur c'est tout le monde, c'est ça le football. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but et les gens ils vont venir voir quoi. Ils vont venir voir les buts, s'il n'y a pas de but, il n'y a pas de football. On doit faire les fautes pour regarder les buts, c'est ça. Merci coach. Merci pour vous, merci bien.